Eh bien, bienvenue pour cette petite visite du Rural Lab. Donc ici, on a la zone, déjà la grande métatable, avec du réseau et du courant, plein de chaises. Ici, on a, on a des jeux de société pour un peu tout le monde. On a des Lego, de la lecture, des trucs pour un peu les loisirs créatifs. Ici, on a des outils, une découpeuse à fil chaud, des outils divers et variés. Ici, on a le bar. Dis bonjour à la caméra, avec du café, une imprimante, des Nerf, le joli logo. Et ici, bien sûr, les éléments qu'on cherche et les éléments qu'on donne. Donc si vous avez par exemple un porte-manteau, on cherche. Les toilettes, bien sûr. Trois ordinateurs connectés au web, disponibles pour tous. Et on a mis à disposition une imprimante couleur qu'on a réparée. Dans ce coin-là, dites bonjour. Marie, tu veux pas dire bonjour? Bon. C'est le coin lounge avec le canapé et quelques consoles de jeu. Donc là, c'est un peu la partie visible de l'iceberg. Ici, on a quelques jeux qui vont avec les consoles. Et là, on passe dans la zone de recyclage et de récupération. Alors, on a quoi? On a par exemple une machine à coudre. On a des alimentations de PC, des bouts de PC, des écrans, des imprimantes. Certaines qui marchent, d'autres cassées. On a pas mal de vieilles consoles, du matériel pour le moulage, beaucoup de câbles, des chargeurs, du matériel réseau, des câbles réseau, énormément de choses qu'on récupère, qu'on recycle, plein de matériel divers et variés. Par exemple ici, c'est la zone de recyclage qu'il faut qu'on nettoie un peu, des éléments qu'on a démontés. On passe à la cuisine qui nous sert un peu de bureau privatif pour l'instant. On vient juste de récupérer un micro-ondes et qui, dans un futur proche, sera transformé en autre chose. On va passer au sous-sol. Au sous-sol. Dans la zone atelier. Alors ici, on a commencé à installer du matériel. Donc ici, on a 5 serveurs web. Et on a un début d'atelier électronique. Il y a encore énormément de matériel qui ne sont pas arrangés. On vient juste de commencer l'aménagement de cette zone. Ici, ce sera en fait l'atelier propre. Avec, dès qu'on aura un peu d'argent, des machines à commande numérique ici. Ici, ce sera la zone salle, la zone Cradoc. Voilà, on a un problème avec la lumière, on va bientôt s'en occuper. Quelques outils à main qu'on a commencé à ramener. Et dans l'autre partie du sous-sol, que je vais allumer immédiatement, voilà, j'ai ramené mon compresseur et quelques éléments pour commencer à fabriquer des tables. Ici, ce sera la deuxième zone salle ou zone Cradoc, atelier Cradoc, qui va plutôt être consacré au bois et au métal, je pense. Il y a encore quelques aménagements à faire. Alors voilà, on a fait un peu le tour du Rural Lab. Il reste encore plein de choses à installer au sous-sol, mais le lieu est déjà ouvert et accueille déjà du public avec un premier atelier qui a eu lieu jeudi dernier sur l'initiation à l'informatique. À bientôt au Rural Lab à Néon-sur-Coupe.